effort pour permettre à Yann Herlacher de prendre un petit peu de distance. Attention, Olivier Panis qui une nouvelle fois est en position d'attaquer peut-être. Dans le freinage de l'épingle, il y a de Val Thorens. Il va se présenter à la corde, voilà qui est fait. Oui, à l'intérieur, il va passer. Non. Jean-Baptiste Dubois a fermé la porte. Quelle bagarre, c'est pareil, c'est presque pareil que pour l'Aube. Et Ferrier, nouvelle attaque d'Olivier Panis. Olivier Panis qui donne tout, il va peut-être trouver un passy, il maîtrise très bien. Et Dubourg qui résiste. Et quel balai, les deux voitures à quelques centimètres les unes des autres. Extraordinaire. Pour cette deuxième place, à chaque virage, Olivier Panis revient au niveau de la portière, mais ça ne peut pas passer. Ce diable de Jean-Baptiste Dubourg réaccélère un petit peu plus tôt et repart devant Olivier Panis, qui est obligé de se rabattre derrière pour attendre le prochain virage. Mais à chaque virage, c'est la bagarre entre la voiture de Jean-Baptiste Dubourg et celle d'Olivier Panis. Olivier Panis, la petite forestier, nouvelle attaque à l'intérieur. Extraordinaire Panis ce soir. Il y va Panis, il y va, il prend tous les risques. Il n'est pas passé. Ils se sont touchés, c'est Aurélien qui passe. Aurélien passe devant son frère. Non, Jean-Baptiste Dubourg reste deuxième. Dubourg est toujours devant. Il a tout tenté, Olivier Panis.